Merci de nous rejoindre et de partager cette passion avec nous. Je vais maintenant commencer à lancer la diffusion et surveiller attentivement l'activité en cours. Aujourd'hui, nous sommes effectivement vendredi, le dernier jour de la semaine de travail. Le bureau est déjà vide, tout le monde est parti, ils travaillent depuis chez eux, depuis quelques jours. Oui, d'ailleurs, en fait, vous pouvez justement remarquer que nous avons ce dirigeable Zeppelin que Pavel a apporté d'Allemagne. Aujourd'hui, je vais parler un peu des nouvelles, de ce qui s'est passé cette semaine, de ce qui se passera la semaine prochaine, et je répondrai à vos questions. Vous vous demandez probablement où sont tous les invités, les invités techniques au travail nous aurons un conseil scientifique et technique. NTS lundi, tout le monde s'y prépare Aujourd'hui, des projets et plusieurs documents ont été préparés et tout le monde les a reçus pour examen avant lundi. Lundi, il y aura un grand conseil avec environ 15 personnes. Des spécialistes d'autres emplois, universités et instituts viendront. Je raconterai plus tard. Plus précisément, comme je le raconterai plus tard, nous allons tout filmer, bien sûr. Nous allons couper certaines parties et en laisser d'autres. Nous rassemblerons les traces et ensuite les commentaires après le NTS afin d'expliquer ce que c'était. Et nous les publierons certainement. Regardez. Oui. On peut commencer à poser des questions tout de suite. Je vois qu'il y a peu de monde. Vendredi soir à 19h. C'est un peu une expérimentation. Je n'aime pas trop ça. En gros, quelles sont les nouvelles Nous nous installons dans le bureau. Nous avons reçu les plans complets les dispositions des concepteurs pour les locaux, les bureaux et le matériel. Leur bureau est déjà entièrement aménagé, mais ils travaillent encore depuis chez eux, car il y a encore quelques. Problèmes avec l'Internet. Il y a des problèmes, il est absent ici, mais pour l'instant, je suis sur des connexions Internet mobile. Lundi, il y aura un Internet commun, et tout cela était dû au fait que les concepteurs ont besoin non seulement d'Internet, mais aussi de serveurs, de stations de calcul et de leurs stations de travail, et le projet a été planifié. Eh bien, il fallait en gros tout développer pour ne pas avoir à changer ensuite. Aujourd'hui, tout a déjà été approuvé. À partir de lundi, tout cela commencera. Nous aurons donc Internet et des personnes qui ne seront plus obligées de rester chez elles. Ainsi, aujourd'hui, nous avons justement discuté de ces serveurs, des puissances nécessaires, du type de matériel informatique requis. Il en faut un pour les mathématiciens et un autre pour les travaux graphiques. Et tout cela doit être coordonné. En fait, ici, je suis un peu choqué. Une machine de calcul aussi puissante va apparaître. Et elle ne sera pas utilisée uniquement par les pilotes de dirigeables, mais aussi par d'autres personnes intéressées. Il s'est avéré qu'il y avait des intéressés. Quand les informaticiens ont su ce que nous allions faire ici, ils ont dit ⁇ Waouh, ouais, génial !⁇ Et là-bas, il y a encore... On peut aussi appliquer. En général, c'est intéressant. Donc nous préparerons tout pour les informaticiens ici d'ici la semaine prochaine. Construire un serveur de calcul comme ça, cela prendra probablement quelques mois. Parce que le cahier des charges qu'ils ont émis est réellement difficile à réaliser dans les conditions actuelles avec les sanctions. Des processeurs qui sont sous sanctions. Mais les informaticiens ont dit, on s'en occupera, on trouvera tout, en gros, ne vous inquiétez pas. De bons gars. Concernant le logiciel, il y avait aussi un problème. Il y a vraiment beaucoup de logiciels, je ne sais pas. Il y a dix ou onze noms, trois russes, les autres étrangers. Et ils disent Oh, tous les étrangers sont sous sanction. Et les informaticiens disent C'est bien, nous savons tous les pirater et personne ne viendra vérifier. Donc, nous allons économiser, dans l'ensemble, cette semaine. Les travaux sur les appareils stratosphériques ont fait des progrès significatifs avec des travaux en cours dans trois directions. Le travail sur le système de communication des appareils stratosphériques, c'est une équipe. Le travail sur ce qu'on appelle le ballastage, c'est-à-dire le ballastage actif de l'appareil stratosphérique pour modifier son altitude afin de capter le vent souhaité et de rester à un point fixe tout en se déplaçant. Et le travail sur ces matériaux de coque pour les appareils à longue durée de vie et de protection et de sécurité, tout a été décalé. Ce n'est pas comme si nous partions de zéro, mais plutôt d'un point mort. Bientôt, nous aurons déjà quelque chose à montrer, quelque chose à raconter. Je pense que la semaine prochaine, les premiers matériaux seront déjà disponibles. Un peu sur ce NTS, le Conseil scientifique et technique qui se tiendra ici au bureau lundi. Il y aura des spécifications techniques détaillées et complètes pour le premier appareil. Les spécifications techniques pour de tels produits sont également très détaillées et spécifiques. À quelle distance, quelle charge, grâce à quel moteur, quelle apparence technique, quel système de carburant seront utilisés, quel gouvernail, comment tout cela sera-t-il contrôlé Il y aura deux propositions. Cela se forme maintenant. À partir d'elles, en cours, en développement. Une solution a été élaborée précisément pour cela, et c'est pourquoi le conseil est nécessaire. Donc, si nous nous mettons d'accord lundi, nous pourrons déjà discuter de quel appareil spécifique nous construirons et ferons voler au cours de l'année prochaine. Mais pour l'instant, ce que j'ai déjà dit ne change pas, et cela ne changera pas. La dimension sera telle qu'elle pourra passer par les portes standards du hangar aéronautique de 12 mètres sur 12 mètres. Le fait qu'il sera disponible en deux versions, optionnellement piloté et entièrement autonome, est déjà à 100%. Il sera équipé d'un moteur à essence, soit du carburant aviation Krabzny-8 ou 100. Il existe actuellement deux options de moteurs, un allemand et un chinois, que l'on peut acheter et installer. Si c'est le moteur allemand, il agira comme moteur principal dans cette configuration. Et il s'agira probablement d'une version optionnellement pilotée ou même d'une version passager. En revanche, si c'est le moteur chinois qui est plus réactif, il fonctionnera comme générateur et le drone sera propulsé par des moteurs électriques. Nous allons travailler sur deux de ces schémas, mais il reste pour l'instant préliminaire. Si lundi nous parvenons à un certain dénominateur commun et que nous signons alors. Nous allons ajuster toutes ces présentations, et nous aurons quelque chose à montrer et à raconter. Quelles sont les autres nouvelles Je ne sais pas en fait. Le travail avance, il y a beaucoup de travail. Je m'agite, tout le monde s'agite, tout le monde travaille. Il n'y a même pas le temps de se préparer pour les webinaires. Donc désolé, nous commencerons à nous préparer un jour. Ah, d'ailleurs, le laboratoire a commencé à se mettre en place. Dans le laboratoire, il y a ses initiateurs qui disent ⁇ nous avons absolument besoin de ceci, de cela et de cela encore ⁇ Et cela concerne à la fois les matériaux de leurs essais, les vérifications et les différents revêtements appliqués sur ces matériaux, y compris les panneaux solaires. Et en général, il y a des... Eh bien la soudure des coques, c'est clair. En gros, elle est en train de s'organiser là-bas. Comment elle s'organise, nous le montrerons. Quoi d'autre Eh bien, qui sait En réalité, le travail avance, tout va bien. Je lis vos idées sur les villes volantes. C'est très agréable de voir que l'imagination des gens atteint un nouveau niveau. Et il est très probablement certain que nous y arriverons, dans notre avenir commun très radieux. Je peux parler moi-même de l'empennage. L'empennage est le même, à trois plans, mais il sera simplement inversé sur ce tout premier appareil. C'est justement pour qu'il puisse passer en hauteur. Ici, les parties supérieures sont faites, leur hauteur n'est pas limitée. Cela sera ainsi retourné pour que le portail puisse passer. Il y aura beaucoup de choses, à la fois classiques et non classiques. Nous verrons. En gros, je suis prêt à répondre aux questions. Aujourd'hui, c'est vendredi soir. Femme de ménage est arrivée. Bonjour Anna, nous sommes actuellement en direct sur notre chaîne. Pourriez-vous nous donner un aperçu détaillé de ce que vous prévoyez de présenter ou de mettre en avant d'ici la fin de cette année Nous sommes impatients de découvrir vos projets passionnants et innovants. D'ici la fin de cette année, nous lancerons trois appareils stratosphériques pour tester le système de communication, pour tester le ballast actif et pour plusieurs expériences scientifiques. Cela sera fait d'ici la fin de la nouvelle année. D'ici la fin de la nouvelle année, nous aurons formé complètement l'aspect technique, même en un mois, de cet appareil sur lequel le Conseil se réunit. Il est tout à fait probable qu'avant la fin de l'année, ou du moins pas exactement, les travaux, les calculs, la modélisation, etc., Commencerons. Nous allons tout montrer, expliquer comment cela avance et dans quelle direction. Le laboratoire sera disponible sur Steam. Pourrons-nous lancer le dirigeable Nous lancerons le dirigeable Zeppelin dans l'année, à partir de maintenant, plus près de l'automne, au début de celle-ci. Si nous lançons cela au début de l'automne, à la fin de l'été, cela signifie que nous avons travaillé dur, rapidement, tout est merveilleux, si nous le lançons dans l'année. Cela signifie qu'il y a eu certaines difficultés, mais il n'y aura certainement aucune difficulté, car le dirigeable Zeppelin a été équipé de manière optimale, rapidement et clairement. En gros, nous n'avons pas vraiment intégré de superbes innovations ou de nouvelles technologies révolutionnaires. Dans le tout premier drone, à part le système de contrôle avancé, le fait qu'il sera entièrement sans pilote et le système d'amarrage automatique, il ne sera absolument pas nécessaire d'avoir des personnes à bord. Comme l'économie le montre, plus il y a de personnes que le dirigeable Zeppelin sert, plus le coût de son vol, de ses transports, de ses stationnements, etc., est élevé. C'est donc un amarrage automatique, un désamarrage automatique un suivi automatique de la route. Dans l'ensemble, il s'agira de travailler sur l'automatisation, les pilotes automatiques, etc. Système de contrôle. Mais il n'y aura pas de moteurs uniques, ni d'aspects techniques inhabituels. Sur le premier appareil, c'est-à-dire que, en d'autres termes, le premier appareil sera entièrement aérien, entièrement fiable. La seule chose, c'est le système de gestion, c'est-à-dire qu'il sera nouveau et qu'il n'y en a pas encore eu de semblable. Il est tout à fait probable que sur le premier appareil, même dans sa version avec ce moteur chinois et des moteurs électriques, il sera possible de travailler et de remplacer le moteur par des piles à hydrogène. Alors, ce sera véritablement le tout premier dirigeable au monde à hydrogène 100% écologique. Eh bien, c'est tout à fait possible. Oui, c'est vraiment possible. Et tout cela sera probablement fait sans aucun doute. Quand est-il prévu de construire le 200 tonnes Regardez-nous. Construisons cet appareil en un an Les six premiers mois, nous ne distrayons pas, le concevons. Les six mois suivants, l'assemblons et le lançons. C'est que nous commençons à rassembler, à lancer. Et déjà l'équipe de concepteurs se libère et commence à concevoir. Le prochain appareil sera probablement plus proche de 10 tonnes. Et l'air commencera à s'élever dès qu'il... Sera commencé à être conçu. Eh bien, dans environ 2 à 2,5 ans. De plus, dans environ 6 mois à 1 an, lorsque le projet commencera, le prochain appareil sera conçu, probablement quelque part autour de 40 tonnes. Enfin, c'est-à-dire environ 200 tonnes, et l'air va s'élever si l'on considère des séquences comme ça, dans environ 6, je suppose, environ. À peu près, disons, peut-être peut-être un peu plus longtemps, peut-être probablement 200 tonnes. C'est déjà un appareil très sérieux. Cependant, nous venons de relire un livre intitulé Dirigeable militaire. En 1870, un Brésilien a construit un dirigeable, similaire à celui que nous allons assembler en termes de dimensions. Il y a installé des moteurs électriques et des batteries qui pesaient environ 280 kg. Le moteur électrique n'avait qu'une puissance de 3 chevaux-vapeur et il a survolé la tour Eiffel. À Paris, c'était en 1870. Et nous regardons ça, oh, si des appareils comme ça étaient construits il y a 120 ans, alors peut-être que nous pourrions construire un modèle de 200 tonnes plus rapidement, avec notre niveau actuel de développement des techniques et des technologies. Mais pour l'instant, je ne veux pas dire ce que nous allons voir, car cela dépend vraiment de la façon dont les choses vont se dérouler. Beaucoup de décisions se prennent en cours de route. Nous avons renforcé l'équipe de conception moderne. Avec de jeunes technologues, ingénieurs et concepteurs talentueux, chacun apportant une expertise unique et précieuse. Les solutions innovantes arrivent progressivement en cours de route. Ils pensaient que nous allions faire ainsi. Mais en réalité, il est encore possible de. En gros, la modularité a été ajoutée. De nouveaux matériaux ont été intégrés et la technologie de production de ces constructions modulaires sera probablement beaucoup plus rapide. Voici le premier appareil rigide que nous allons assembler. Nous allons travailler sur tout cela. Et ensuite, qui sait, nous développerons de telles structures modulaires où 200 tonnes de ces modules seront assemblées. Non pas en 6 ans, mais dans 4 ans. Concernant la connexion des drones avec le programme de gestion, sa stabilité. Il y aura un système duplicatif, juste hier, j'ai parlé avec un informaticien. Nous avons un informaticien. Chez Solar, un Iranien, il s'appelle Melad. Il s'occupe de l'intelligence artificielle, du big data, et ainsi de suite. Institut technologique du Massachusetts. Il participe à des projets. Il a aussi une équipe là-bas. Et il développe des systèmes basés sur la vision par ordinateur, l'intelligence artificielle etc., pour que lorsque le drone perd la connexion ou que l'hélicoptère perd la connexion, il soit capable de s'orienter lui-même, de savoir où il se trouve et où il doit aller ensuite. Il y aura des systèmes classiques, c'est-à-dire de navigation, comme le suivi de l'itinéraire, etc., et il y aura aussi ce doublage par l'intelligence artificielle. Donc, si la connexion est perdue, il n'arrivera rien au dirigeable Zeppelin. Nous allons également l'implémenter sur ce tout premier appareil. Sur le premier appareil, nous allons précisément travailler sur le cerveau, le cerveau, le système de contrôle du dirigeable Zeppelin, puis le dirigeable sera ensuite mis à l'échelle et dans l'ensemble, le cerveau deviendra simplement plus intelligent, plus intelligent et ainsi de suite. En fait, je pense qu'il n'y aura vraiment aucun problème avec la connexion, évidemment. Nous allons justement tester le système de communication pour les stratosphériciens. Nous allons le combiner et il y a la possibilité d'installer des stations terrestres propres. Leur rayon d'action est d'environ 500 km. Et avec de telles stations terrestres, il est possible de couvrir les itinéraires prévus et de ne dépendre de personne en sachant exactement que vous aurez une connexion. Et si jamais il n'y en a pas, il y a soit un dirigeable zeppelin piloté en option où une personne peut s'en occuper, soit en cas d'absence de personne, une intelligence artificielle. Combien de dirigeables zeppelin seront produits par an après la construction de deux hangars Tout dépend de de nombreux facteurs. En fait, nous avions initialement prévu que chaque hangar serait capable de produire au moins un appareil par mois. Pour l'instant, nous n'avons pas dévié de ce cap. Il en faut plus, bien sûr. Plus de 12. À Ellingham, environ, entre 12 et 25 appareils étaient construits chaque année, par an. C'est-à-dire soit un par mois, soit deux par mois. Mais comme nous avançons actuellement, nous révisons l'apparence technique et les caractéristiques techniques du dirigeable Zeppelin, car il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'experts, et pas seulement des dirigeables, mais aussi des économistes, des hommes d'affaires, des administrateurs. En général, nous considérons ce processus non pas comme aérien ou logistique, mais de manière multidimensionnelle, et les aspects techniques changent à cause de cela l'applicabilité change et la production en série peut également changer voici le dirigeable zeppelin qui est actuellement en cours de construction selon les estimations les plus grossières la demande sera d'environ 100 unités selon les estimations les plus pessimistes la demande sera d'environ environ 100 unités pour de tels appareils et la question de combien d'unités seront produites par mois ou par an dépendra à nouveau de l'activité réelle et de la dynamique de cette demande. Eh bien, en fonction de notre capacité à le vendre, il est évident que plus nous le vendrons rapidement, plus nous pourrons construire. Pour l'instant, nous gardons à l'esprit qu'au minimum, 10 unités seront produites par an. 12. Mais nous pouvons également organiser. 50 appareils plus grands que nous évaluerons plus tard. Mais préliminairement, nous planifions au minimum 12, idéalement 25. C'est une très grande esquisse d'un modèle économique, car même cet appareil sera comparé en termes d'économie et de coût de production. Je vais parler un peu plus tard du type de travaux variés et divers effectués par les hélicoptères existants, en précisant que le coût global est sera moins élevé et que les caractéristiques techniques de ces hélicoptères seront bien meilleures. Je sais déjà qu'il y en a plus de mille qui ont été vendus rien que dans la région que nous examinons actuellement, et selon les estimations les plus grossières et approximatives, au moins cent de ces appareils partiront, tant en remplacement de ces hélicoptères qu'en tant que curiosité technologique. Mais en réalité, un dirigeable surtout s'il est fonctionnel et sans pilote, se vendra de lui-même et aura une demande encore plus forte et croissante. Et à propos de l'anneau du nord où le vent tourne en rond, quelle est la hauteur là-bas, à cet endroit précis La hauteur est d'environ 20 km. Enfin, cela commence à partir de 20 km et plus. Je pourrais vérifier cela précisément maintenant, mais je ne pourrais pas voir votre commentaire. Voir. Laissez-moi vous envoyer le site. Ce site est accessible au public. Il y a justement un modèle de prévision des vents. On peut régler la hauteur, faire tourner la planète et voir quels vents vont où, à quelle hauteur. Et donc, à une certaine altitude, à partir de 20 km, commence ce courant annulaire stable. Son diamètre est grand. Il atteint probablement quelque part. Si l'on regarde depuis le pôle Nord, il atteint certainement Saint-Pétersbourg. Voici, vous pouvez regarder attentivement et compter par vous-même chaque détail. Qui est vraiment le principal acteur dans ce projet important et complexe Qui est véritablement le papa, celui qui a initié et guidé tout le processus Papa est un ingénieur russe et talentueux, un entrepreneur industriel russe et innovateur. En réalité, l'équipe est grande. Nous nous contentons de l'organiser à notre manière, avec soin et attention. Les talents sont partout. Papa, je pense qu'il se débrouillera tout seul, pour l'instant. Eh bien, comment dire Les Américains ont un bon modèle, et nous ne l'avons que rarement suivi auparavant. Nous parlons de la Russie, de la CEI, et d'autres, le modèle de gestion, le modèle de construction d'entreprise, etc. C'était une matrice. Enfin, chez eux, c'est une matrice. C'est un projet, c'est quelque chose de habituel pour nous. Cela vient de l'Union soviétique et la Russie a adopté le fait qu'un chef a trois adjoints et sous chaque adjoint, il y a encore trois adjoints. Et si tu es au-dessus d'une personne, tu lui dis ce qu'il doit faire, tu es intelligent et lui, il ne l'est pas vraiment. Chez nous, c'est un peu l'inverse. Le spécialiste dit qu'il est intelligent, tandis que toi, tu te contentes de répartir ce travail. Et pendant ce temps, dans le projet, les plus malins ce sont naturellement des spécialistes. En effet, personne ne se précipite en avant de manière experte et réfléchie, sans précipitation, donc le Batik est un constructeur russe. Quelle est la différence de vitesse et de capacité de charge entre vos dirigeables zeppelins et vos concurrents hélicoptères La capacité de charge est à peu près la même. Le dirigeable a même une capacité légèrement supérieure. La vitesse du dirigeable est légèrement inférieure. Eh bien, il y a une différence. Je ne peux pas dire exactement maintenant, pour ne pas dire de bêtises, d'accord, attendons que ce NTS se passe. Nous allons certainement approuver toutes ces spécifications techniques, je vais alors envoyer toutes les vérifications. Mais il vole beaucoup plus loin, il est deux à trois fois plus sûr et économique, et il coûte moins cher. Alors, posons les questions de manière plus active. Le vendredi soir, l'esprit est un peu engourdi pour produire quelque chose sur le vif. En réalité, la différence entre les dirigeables, les hélicoptères et les concurrents, en fait, personne n'est concurrent. Oublions absolument et complètement tous les aspects de la concurrence dans le secteur de l'aviation. Il y a un hélicoptère. Il a ses propres tâches, son propre usage, il y a un avion, il a ses propres tâches, son propre usage, et il y aura un dirigeable, juste un outil supplémentaire. Avec ses nombreux avantages, il est certainement plus économique, ou plutôt économiquement avantageux. Par exemple, pour illustrer ce point, il est évidemment plus écologique, mais il est aussi plus lent. Cependant, il peut transporter beaucoup plus de charges. Donc absolument personne n'est concurrent. Sinon, nous allons nous opposer à quelqu'un et les gens vont penser que nous rigolons, alors qu'en réalité, il ne peut pas y avoir d'opposition. C'est comme la différence entre une voiture légère et un camion. Le camion n'est pas un concurrent de la voiture légère, il a sa propre tâche. En fait, la vraie question est, qui est véritablement le patron pourquoi un seul En fait, c'est ce qui se passe. Je peux expliquer encore une fois, parce que tous les constructeurs travaillent depuis chez eux. Combien de temps cela fait-il maintenant Eh bien, à partir de mardi, ils se sont probablement rencontrés à nouveau au bureau lundi. Nous avons élaboré un plan de travail pour la semaine, et tout le plan de travail était conditionnellement lié à ce Conseil scientifique et technique, NTS, pour la prise de décision concernant les caractéristiques techniques et l'apparence extérieure du premier appareil, et pour pouvoir travailler, ils se sont tous dispersés chez eux, et aujourd'hui, pour ainsi dire, c'est le dernier jour de travail avant lundi. Tout le monde est là pour préparer le projet, pour la défense. Nous invitons également des spécialistes externes. Pour la défense, tandis que les concepteurs travaillent, nous, avec les gars, nous nous occupons du bureau, nous aménageons leur cabinet, leur laboratoire. Aujourd'hui, nous avons eu des problèmes avec Internet et des papiers. Pavel aurait pu me soutenir aujourd'hui, mais il a beaucoup de choses importantes à faire, donc je suis seul aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, nous déménageons tous au bureau. Nous aurons ici Internet, des ordinateurs, des meubles, et tout ici sera des constructeurs. Donc à partir de la semaine prochaine, cela commence comme ça. Nous pourrons certainement inviter nos ingénieurs et nos producteurs le mardi. Pour les webinaires, il faut essayer de tirer quelque chose d'intéressant d'eux, même le vendredi, bien que le webinaire du vendredi veuille être déplacé au jeudi, car cette tentative le vendredi à 19h n'est pas très bonne. D'ailleurs, Écrivez-moi à quel point ce n'est pas très bon. À mon avis, à 19h30, les gens se promènent, même si aujourd'hui il pleut. Oui, bientôt. Des constructeurs vont arriver au bureau, travailler ici. C'était difficile pour moi, et la connexion Internet était un problème ici toute la semaine. Voici en quoi consiste l'avantage de notre dirigeable et du dirigeable zeppelin allemand d'aujourd'hui. Ou le zeppelin qui est explicitement mentionné ici à Hindenburg. En fait, le dirigeable d'aujourd'hui est actuellement à Friedrichshafen. Pour l'amarrage, il dispose d'une machine spéciale qui s'approche du mât et attrape ce dirigeable avec précision. Littéralement parlant, ou pour être plus précis dans la description de cette action complexe mais fascinante, que nous observons ici aujourd'hui, même sur place devant nos yeux ébahis par tant de technologies avancées. En voiture, il est emmené plus loin à Wellington. Cela signifie qu'il n'a rien changé concernant l'exploitation des anciens appareils modernes. C'est une fois, deux, il est conçu pour accueillir douze personnes. Lors de voyages touristiques, le dirigeable Zeppelin atterrit et des gens l'attrapent littéralement là-bas. Deux petits bonhommes sont sortis, deux sont entrés, deux sont sortis, deux sont entrés. D'un côté, eh bien, ce n'est pas moderne, c'est vraiment tout à l'ancienne, à l'ancienne. Il n'y a pas de pilote automatique, pas de suivi automatique des itinéraires, il y a tout de même des pilotes à bord qui les contrôlent. Voyons, maintenant, nous allons approuver les spécifications techniques lors du Conseil. Celui-ci est plus grand. Le nôtre sera plus petit, mais le nôtre sera moderne. Si l'on compare la capacité de charge, celui-ci est bien sûr plus impressionnant. Mais notre prochain sera certainement beaucoup plus grand, plus rapide, plus intelligent. Si les Allemands décident soudain de faire quelque chose, alors il y aura un sens à comparer. Sinon, c'est juste un prototype moderne de l'ancien dirigeable Zeppelin. Notre spectacle aura un avantage considérable en termes de production, car nous misons sur la production en série et pas sur une petite série. Par conséquent, le coût de production de cet appareil sera beaucoup plus bas, ce qui le rendra beaucoup plus accessible sur le marché. Les Allemands mettent très longtemps à construire un seul de leurs appareils, ce qui les rend incroyablement chers, et il n'y a pratiquement pas d'acheteurs. Ils en vendent un tous les cinq ans à un prix très élevé et s'en réjouissent. Le principal avantage par rapport aux appareils allemands est que nous allons établir une chaîne de production en série avec un coût de production très bas, ce qui nous permettra de les distribuer massivement. Posons encore des questions. Quelqu'un a écrit récemment à ce sujet dans le chat. Aujourd'hui, j'ai vu un message apparaître disant que tout le monde avec les moteurs du ENOV a maintenant des dirigeables. Aujourd'hui, nous avons rencontré des motoristes. C'était justement, disons, que l'installation de puissance peut être utilisée pour transmettre le couple directement. À travers diverses histoires mécaniques aux hélices, elle peut également faire tourner le générateur. Et le générateur peut, à travers des contrôleurs, fournir de l'énergie aux moteurs électriques. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un assemblage intéressant où, justement, il s'agissait de hautes fréquences, et ainsi de suite, et cela a très bien fonctionné. Oui, et les fréquences conviennent. Nous avons justement discuté avec les gars de l'installation de puissance. La semaine prochaine, des gars, enfin des hommes, bon sang, des pros, vont venir. Ceux qui ont justement fabriqué ces générateurs à haute fréquence, ultra-rapides. Nous allons probablement faire notre almaz avec eux. Nous verrons, si tout s'arrange là-bas, alors tout s'arrangera. Nous avons décidé de ne pas encore nous prononcer pour le moment sur le sujet, pour l'instant sur le terrain, et de choisir la première taille de l'appareil de manière à ne pas avoir besoin de construire un hangar pour cela. Cela nous fera économiser du temps et de l'argent, les efforts, et élargira justement la possibilité d'exploitation de cet appareil afin qu'il puisse entrer dans n'importe quel hangar aéronautique. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de construire un hangar pour le premier appareil et nous avons repoussé la question du terrain un peu plus loin, car il est plus logique, bien sûr, d'acquérir notre propre terrain. Je n'ai vraiment pas envie d'acheter cette Sejkotska et de m'engager dans cette épopée de cinq ans pour le transfert de terrain d'une destination à une autre. Donc, si j'achète, ce sera probablement déjà un terrain avec une destination correcte, c'est-à-dire un aérodrome qui appartient déjà à quelqu'un quelque part. Ce n'est pas si bon marché. Et il y a en réalité des dépenses à prévoir. Il faut les investir dans le levage de l'appareil dans les airs. Puis, avec le temps, il sera possible d'acquérir un tel actif. Il sera sur le bilan de l'entreprise. C'est vraiment génial. Il ne s'en ira nulle part. Tout d'abord, il est des nôtres. Et là, un grand hangar sera déjà construit pour le prochain appareil. Parce que le prochain appareil ne pourra plus être exploité. Dans tous les hangars où les avions de ligne atterrissent actuellement, le premier pourra le faire, mais le deuxième, c'est sûr, ne pourra pas. Il y aura des travaux de construction pour lui, et là, je pense que nous nous mettrons d'accord sur le terrain, mais pour l'instant, nous étudions la question. Il y a un candidat sous terre qui est caché et difficile à trouver. C'est une aérogare en activité où de nombreux avions atterrissent et décollent. Je ne vais pas le nommer, je ne veux pas. Nous avons déjà parlé avec tout le monde, nous n'avons donné d'espoir à personne. Nous avons vérifié la superficie, nous avons vérifié le coût, nous avons vérifié dans quels états se trouvent les documents, quelles autorisations, restrictions concernant la hauteur, à proximité. Il peut y avoir une défense aérienne qui n'est pas vraiment une défense aérienne. Et en général, tout le monde a clarifié les choses, a établi une carte pour eux-mêmes, a déterminé un favori, mais n'en a pas parlé. Car si l'on dit que cet aérodrome nous plaît beaucoup, ils diront alors que le prix va augmenter. Donc, un peu plus tard, probablement dans six mois, lorsque nous commencerons à définir l'apparence technique de ce deuxième grand appareil, nous comprendrons déjà, au minimum, sa taille, sa production en série et son applicabilité. À partir de cela, nous choisirons le terrain, mais il est probable que ce sera celui que nous avons déjà sélectionné, car il existe certaines règles, non pas des restrictions. Mais des règles à suivre pour pouvoir licencier ces appareils. Cette règle stipule qu'il doit certainement y avoir un champ d'aviation officielle expérimental à proximité. Donc si vous ouvrez Yandex, il est très probable que vous trouviez certainement l'aérogare la plus proche, parce qu'il y a très peu de tels champs. Ainsi, une grande quantité de déchets s'est accumulée sur les pentes de l'Everest, laissées par les alpinistes. Le dirigeable sera-t-il capable de relever ce défi Si l'on pose cette question au moment de la conception ou de la modernisation d'un appareil, je ne vois aucun obstacle majeur à cela, bien qu'il faille prendre en compte les vents qui peuvent avoir un impact significatif. En effet, aborder cette question dès le début peut apporter des avantages considérables en termes de performance et de sécurité autour de l'Everest. Il y a parfois un temps libre, il sera donc probablement possible d'organiser une mission, mais cela sera difficile. Cependant, si tout le monde souhaite nettoyer la plus haute montagne de la planète, et si nous devenons soudainement si intelligents et que nous nous rassemblons pour le faire, alors c'est peut-être possible. Expérience pour comparer ce qui se comporte de manière plus stable au vent, le quadricoptère ou le dirigeable, en conditions réelles. Le système qui se comporte le mieux au vent est celui dans lequel il y a plus d'intelligence et de technologie moderne et innovante. Il est très probable qu'à ce stade, ce soit un quadricoptère, bien sûr, parce que ces quadricoptères, qui sont produits en série pour les opérateurs, sont déjà si intelligents qu'ils se corrigent très rapidement eux-mêmes, et notre tâche est de construire ce premier dirigeable exactement de cette manière, d'y intégrer tous les mêmes cerveaux, algorithmes. Il est clair que certainement de nombreuses choses vont certainement changer là-bas, mais en gros, ce sont les mêmes systèmes qui sont ajoutés, des lidars, des radars, des ultrasons. Quand on descend bas, il y a des forêts et d'autres choses en dessous. Voici notre Mylade un iranien et informaticien qui me montrait un système récemment développé au massachusetts institute of technology ils ont lancé le quadricoptère je ne me souviens plus à quelle vitesse mais c'était fou presque 100 km à l'heure à travers la forêt et il s'orientait en vol contournant les arbres c'est puissant et il me racontait quel système y sont installés comment tout cela est organisé comment cela peut être appliqué au dirigeable. Ainsi, celui qui est résistant est celui qui sait quoi faire quand le vent souffle. Notre dirigeable, quand il saura, alors nous pourrons comparer. Les technologies de construction d'un hangar et d'un port de plaisance sont-elles différentes Y a-t-il une différence fondamentale La différence réside dans l'idée initiale. Si le hangar est prévu pour la construction d'un dirigeable d'un certain type, cela signifie que l'équipement du hangar est spécifique. Ce sont des dispositifs spéciaux sur lesquels ce dirigeable est initialement assemblé, puis il le sort du hangar. C'est une structure spéciale, mais c'est aussi un hangar, et un hangar reste un hangar, peu importe où il se trouve. On peut l'utiliser pour différentes choses, c'est juste des sols et des murs. On peut considérer cela comme un hangar, mais c'est vraiment son équipement intérieur, sa mécanisation qui sont spécifiquement conçus pour un certain appareil, et c'est ce qui le distingue. La technologie de construction n'est pas vraiment avancée, à part l'équipement intérieur. Oui, les hangars sont énormes, tout comme les stades. Plus ou moins, je pense que la technologie de construction sera liée au stade, entre le stade et l'entrepôt, quant à l'équipement intérieur. Cela ressemblera déjà à une usine. La société russe Aerosmena a annoncé des plans pour commencer la production de dirigeables en forme de soucoupe volante en 2024. Aerosmena avait depuis longtemps annoncé des plans et avait commencé une certaine production, et en fait, ce n'est pas une seule entreprise, mais même plusieurs entreprises qui annoncent généralement qu'elles commencent à construire quelque chose, mais quelque chose d'inhabituel. Mais nous n'en arrivons pas à l'action. Nous avons adopté, je pense, le schéma le plus adéquat. Il s'agit de faire ce qui a déjà volé, mais simplement de le faire dans un nouveau format, avec de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, des capteurs et des drones. Et il est clair que tout cela est réalisé avec de nouveaux matériaux. Mais ce sont précisément les formes classiques, cependant, car expérimenter avec différentes formes à ce stade est extrêmement risqué, ce qui signifie que, en particulier, il faut être prudent, c'est-à-dire que vous avez un financement précaire un collectif qui n'est pas encore opérationnel, en quelque sorte, et vous faites immédiatement quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, la probabilité de succès tend vers zéro. Ils ont même créé un prototype d'aérosme, c'était une petite soucoupe volante appelée Anuta. Ils ont essayé de supprimer la vidéo d'Internet, mais Internet se souvient de tout, donc en cherchant sur Google, vous la trouverez, ils l'ont fabriquée et n'ont même pas pu le stabiliser, à la main, avec des cordes sans parler des moteurs, en fait. Et avec ce dirigeable, tout est clair, cela a été calculé depuis longtemps, mais avec un dirigeable de forme classique, ce qui est... En général, il a un centre de volume, un centre de masse, cela se croise quelque part, ici doit se trouver la charge, et alors il est plus ou moins statiquement stable. Et la soucoupe volante, d'ailleurs, tout comme le dirigeable, si l'on ne prend pas en compte le fil à plomb, la soucoupe volante essaye de se retourner comme ça, se mettre sur le flanc et remonter à la surface, et pour simplement la stabiliser dans les airs, afin qu'elle ne fasse pas cela, il faut dépenser de l'énergie pour... J'ai certainement éteint ces moments vraiment superflus. De plus, on peut possiblement la stabiliser en abaissant la charge très bas. Alors tout, elle ne va pas se renverser, la charge est basse, mais ici apparaît l'effet pendulaire. Il devient également instable. Pour le changement d'aéronef, ils n'ont pas fait en sorte de descendre la charge plus bas. Ils ont directement enfoncé la charge dans la soucoupe. Ils ont placé quelques vis supplémentaires en cercle, donc leur plateau ne sera pas statiquement stable. Ils devront dépenser de l'énergie pour sa stabilisation. Et comme l'a montré leur petit modèle, leur modèle ne fonctionne pas encore mathématiquement dans la pratique. Voyons qu'ils continuent à assembler. Ils construiront une soucoupe volante en forme de dirigeable. Génial. Tout le monde essaie de créer ces soucoupes volantes, car la forme du dirigeable est longue, grande et semble encombrante. Tout le monde essaie de la rendre plus compacte, plus lisse. Elle semble comme si elle était plus petite et plus agréable. Mais cet effort d'auto-amélioration n'est pas dirigé au bon endroit. Tu la rends moins stable, mais... Plus agréable à l'œil. C'est cool, bien sûr. Les années passeront très vite. Réfléchissez bien à la possibilité de lancer immédiatement le travail d'acquisition de terrain en parallèle avec d'autres travaux nécessaires. Eh bien, si nous devons vraiment commencer à construire le quai au cours de cette année, il serait absolument nécessaire de s'assurer que nous avons au moins obtenu toute la documentation nécessaire et requise pour sa construction dans l'année et que toutes les autorisations ont été dûment obtenues. Conditionnellement, dans un an, nous avons fait décoller cet appareil, nous avons poussé un soupir de soulagement et nous avons commencé à dépenser de l'argent pour la construction d'un hangar. En un an, il est peu probable que nous puissions acheter une quelconque exploitation agricole et la transférer dans la bonne catégorie documentaire. Cela prendra au moins trois ans. C'est une prévision, lorsqu'on dit je l'ai fait en cinq unités, alors que se passerait-il si on faisait un effort C'est comme ça pour cinq. Et si on fait vraiment un gros effort pour cinq Et si on se donne à fond pour trois, c'est possible Eh bien, probablement. Mais il est important de noter que cela peut parfois aller jusqu'à cinq ans voire plus dans certains cas. Mais tout cela dépend en fait en réalité du domaine dans lequel cela se fait et de qui le fait, en fin de compte, vraiment, effectivement. Si l'on demande de l'aide à l'État, il est probable que tout cela se déroule beaucoup plus rapidement. Mais pour cela, il est nécessaire de démontrer l'appareil volant. Et donc, j'aimerais tout de même acquérir quelque chose de déjà prêt afin de ne pas avoir à m'occuper des documents mais plutôt de m'occuper des documents pour la construction du hangar, car il faut aussi tout approuver là-bas. Oh là là, et si la Terre s'ajoute, nous verrons, c'est pourquoi nous avons un peu repoussé la question. Nous avons une petite marge, il faut s'occuper de cette question. Quelle est la relation entre le volume d'un dirigeable et sa capacité de charge Eh bien, en fait, un mètre cube soulève environ un kilogramme. C'est-à-dire que si c'est 1000 mètres cubes, cela équivaut à une tonne. Si c'est 2000 mètres cubes, cela fait deux tonnes. Nous aurons donc le premier dirigeable de deux, peut-être avec un peu moins de 1000 mètres cubes, mais la coque pèse quelque chose, elle pèsera environ. Eh bien, il y a actuellement un matériau qui pèse 207 grammes par mètre carré. La coque pèsera environ 300 kilos c'est seulement la coque elle-même. L'élévation, elle est un peu plus lourde que les moteurs, et ainsi de suite, et il lui reste donc... Eh bien, au minimum 500 kg, et ensuite nous verrons, un peu plus c'est à peu près ça, Avez-vous déjà envisagé des options, par exemple, pour un dirigeable inversé, avec les ballons en bas ou sur les côtés, afin que la gondole soit ouverte Les ballons étaient sur les côtés, les gondoles au milieu. Encore une fois, il y a un désir que cette chose se retourne d'une manière ou d'une autre. En haut, en bas, si elle est au milieu, alors il y a des vents latéraux, c'est-à-dire très forts. Il existe des formes hybrides. Mais elles sont davantage liées aux dirigeables de vitesse et de haute altitude. Ces dirigeables classiques sont super. Efficaces à de faibles altitudes, mais à des altitudes plus élevées, par exemple à 5 km. Et au-delà, l'air est raréfié, ce qui permet de voler à d'autres vitesses, par exemple 250 ou 300 km par heure, alors qu'au sol, c'est ici 150 ou 180. C'est déjà une dimension plus grande, afin que les moteurs soient plus puissants. La vitesse augmente généralement avec la taille, car avec la taille, son armement énergétique augmente, donc il peut se propulser plus fortement. La résistance frontale n'augmente pas au cube, comme sa portance, mais au carré. Les dirigeables de haute altitude changent d'apparence. Ils deviennent plus proches de celles des avions. Et ces formes sont déjà conçues, elles existent, mais nous ne les montrons pas encore, car il y en a vraiment beaucoup, au moins trois types de ces formes. Et eux, eh bien, ils ont déjà ce savoir-faire, parce que calculer un dirigeable de haute altitude et de vitesse, c'est combien de souffleries, sa géométrie et autres, c'est comme le buran, ils se regardaient l'un l'autre, Roscosmos, eh bien le cosmos soviétique chez les Américains. Puis les Américains ont aussi observé notre lapot soviétique, maintenant il le fait. Alors que chez nous, il ne se fait pas, c'est-à-dire que l'apparence extérieure est une chose très secrète, parce que calculer son aérodynamique, et ils existent, et ils seront différents. Y aura-t-il des gondoles ouvertes, quelque part là Pas fixées au ballon Peut-être qu'elles le seront. En réalité, Séparer la gondole du ballon est une très bonne solution. Et elles existent aussi. Et elles sont à la surface. Il est probable que nous en soyons déjà arrivés là dans le chat. Je n'ai simplement pas le temps de tout lire. Ce serait bien que la gondole ait quatre hélices ici. Et en cas de problème, avec le ballon, elle pourrait descendre d'un côté, en mode quadricoptère. Et si on l'arrache un peu plus bas du corps même du dirigeable, en fait, littéralement, L'aérodynamique s'améliore. En réalité, elle peut être mise en suspension séparément et alors, par exemple, les propriétés aérodynamiques s'améliorent. Soit on enfonce généralement la gondole à l'intérieur, mais cela pose des problèmes d'équilibrage. Soit il faut la descendre un peu plus bas. Descendre un peu plus bas est l'option la plus logique. Mais combiner deux ballons comme ça, deux ballons comme ça, est probablement. Nous allons maintenant calculer. Ici, nous aurons un puissant ordinateur qui nous permettra de tester toutes les formes. Je suis déjà assis ici, impatient, d'attendre ce moment, car il est clair que les formes classiques sont testées. Ici, quelques petits angles sont calculés, etc. Mais tout cela est aussi pour une certaine altitude, pour une importance conditionnelle de la dimension de la vitesse. C'est-à-dire que si tu changes légèrement le modèle, dans les caractéristiques techniques pour la vitesse, cela change beaucoup de choses. Il y a donc beaucoup de choses à faire avec cette forme. Il est évident que nous voulons tester tout, vraiment tout, y compris les formes radiales. Donc, dès que la machine puissante sera là, nous testerons tout et verrons que ce n'est pas que des mots, mais bien un modèle. Vous voyez peut-être que nous trouverons des choses intéressantes. Actuellement, il n'y a que des offres d'emploi pour la formation des pilotes de dirigeables. Tout, au fait, aujourd'hui, nous avons discuté de quelqu'un. En fait, toutes les fonctions principales sont déjà, eh bien, ce ne sont même pas des rôles, mais des fonctions. Des personnes ont déjà été formées, des accords ont été trouvés, une partie des gens s'installera là-bas, une autre partie s'installera avec le temps. Tandis que certains sont actuellement en externalisation et certains ne sont même pas dans ce pays. Mais les fonctions principales sont déjà assurées par notre, comment dire, le bureau principal ou le centre de conception principal. Il y aura des offres d'emploi, par exemple, pour ah. des travaux sous contrat ou bien d'autres encore, éventuellement, par exemple, parce que les principaux acteurs sont déjà clairs, certains pour l'un, d'autres pour l'autre. Nous dévoilerons tout cela plus tard, nous expliquerons qui fait quoi. Nous irons là-bas avec des caméras, filmer tout ça, et certainement regarder. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour en parler. Il y avait quelqu'un. Je ne me souviens plus qui. Un administrateur système est nécessaire au bureau. Il y a un poste à distance. Tout sera fait à distance, mais pour faire quelque chose de nos propres mains, nous cherchons actuellement une personne, nous cherchons un secrétaire. Au fait, nous recherchons un bon opérateur pour le studio, car nous avons constamment besoin de filmer des laboratoires, etc. Les opérateurs de Solar sont occupés par leur travail, donc nous cherchons quelqu'un de local. Mais si ce qui vous intéresse concerne spécifiquement l'ingénierie et la conception, je pense qu'il est peu probable que cela apparaisse. Avant le Nouvel An, nous verrons cela plus près du Nouvel An. Avez-vous déjà entendu parler du moteur antigravitationnel de Léonov J'en ai entendu parler. Il paraît qu'il a été testé sur Terre et qu'il a même réussi à obtenir qu'il soit envoyé en apesanteur sur une sorte de fusée. Je ne me souviens plus. Ce qu'il a montré là-bas n'a absolument pas fonctionné sur Terre. Ici, eh bien, soi-disant, tout cela est la force de réaction du support. C'est-à-dire que tant qu'il y a un certain support, n'importe quel mécanisme peut tourner, il a besoin de quelque chose sur quoi se baser, et ce sont les forces principales, c'est la réaction du support, même le frottement dans les roulements, dans les petites roues, c'est aussi une réaction du support, c'est pourquoi il avance. Dans l'espace, il ne s'est apparemment pas manifesté, c'est pourquoi il a été expulsé de l'usine. Mais les gens changent constamment dans les mêmes entreprises, dans les mêmes ministères, et on peut faire le même tour avec la même chanson, en courant à nouveau dans les mêmes bureaux. Est-il permis d'installer un équipement à l'intérieur de la coque du dirigeable, à l'intérieur de la coque d'un dirigeable rigide il est même certainement permis d'installer des cabines et en général, on peut s'y promener et observer ces sacs gonflables pour voir comment ils se portent. Non, il y aura en fait un spectacle, je viens juste de l'imaginer. Et je suis vraiment très très surpris. Ils vont installer bien sûr beaucoup d'équipements variés à l'intérieur, notamment ce qu'on appelle les systèmes air gaz VGS, il y en a beaucoup. Divers sacs qui sont gonflés d'air et différents exercent une pression légèrement sur les sacs d'hélium pour descendre afin de mieux maîtriser un peu plus la force d'Archimède. Et ainsi. Il y a même des idées d'installer des plasmatrones à l'intérieur. Chauffer le gaz avec des plasmatrones. Certainement. Dans les sacs, le gaz est chauffé la force d'Archimède augmente. Là, par exemple, pour. Les super hybrides, eh bien d'ailleurs, je ne sais pas, nulle part on en parle, probablement tout le monde le sait, mais euh, on ne le dit pas. Je veux dire, les dirigeablistes, ceux étrangers, en gros, d'autres entreprises. Ce que l'on peut utiliser, on peut l'utiliser. Ce n'est pas vraiment un know-how en fait, mais. Personne ne semblait en avoir parlé auparavant. Un tel équipement s'installe facilement à l'intérieur. Mais dans l'ensemble, n'imaginez, oui, on peut y marcher, on peut y aménager des chambres, des cabines. Et ici sur le côté, ils feront des fenêtres. Donc tout type d'équipement de survie, c'est certain. Si l'on divise le volume intérieur comme un orange, cela est en termes de sécurité. Si une balle a traversé... Ne perçant que deux ballons et laissant les autres intacts, c'est logique. Plus l'appareil est grand, plus il y a de quartiers de cet orange, et cela sera ainsi. Autrement dit, plus l'appareil est petit, moins il y a de sections. Plus l'appareil est grand, plus il y a de sections. Faut-il le faire directement sous l'orange, ou bien y a-t-il d'autres considérations à prendre en compte Voyons cela de plus près. Il me semble que cette division de l'espace intérieur en segments, secteurs et autres subdivisions, pourrait être parfaitement calculé par l'intelligence artificielle moderne, qui est capable de traiter des données complexes avec une précision remarquable. Donnerons-lui une telle tâche, voyons ce qu'il dessinera. S'il dessine une orange, disons, eh bien la nature avait raison. Dans ma tête, il y a exactement une image d'une séparation idéale de cet espace intérieur pour la sécurité, comme une grenade. La grenade se divise d'abord comme une orange, puis, les petites graines à l'intérieur sont séparées. C'est-à-dire si une balle passe, elle ne fait que chasser le gaz porteur sur sa trajectoire et rien ne s'effondre sur les côtés. Mais ici, il faut comprendre que l'épaisseur de toutes les coques s'accumule, 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 la masse des appareils devient de plus en plus lourde. Mais par exemple, du point de vue de la sécurité pour certains appareils spéciaux, ce que nous pouvons appeler l'hypersectionnalité sera probablement appliqué lorsque l'important n'est pas de transporter le maximum de charge, mais de le faire de manière maximale et sécurisée dans certaines conditions. Y a-t-il des restrictions d'âge pour devenir pilote de dirigeable Bien sûr, à condition d'avoir une bonne santé. Récemment, la question a été posée. Si tu es pilote mais que tu es déjà à la retraite, les pilotes partent en retraite tôt, peut-on être pilote de dirigeable À cela, les pilotes de dirigeable ont répondu qu'ils n'avaient que des personnes de ce type, uniquement des retraités, des retraités de l'aviation, pas tout à fait des retraités au sens strict. Y a-t-il des restrictions d'âge Il faut vérifier. Nous avons des amis qui ont ouvert une école. Il y avait plusieurs écoles avec une licence pour l'aérostation. Toutes les licences ont été révoquées, et jusqu'à récemment, aucune n'était délivrée. Et voici notre connaissance. Nous avons obtenu la première licence de Montgolfière, disons, dans l'histoire moderne. Eh bien, à partir d'un certain moment, bien sûr, je vais leur demander, je vais savoir s'il y a un plafond spécifique au-dessus duquel il n'est pas possible d'étudier, mais très probablement, si la santé est bonne et que l'esprit fonctionne, il ne devrait y avoir aucune restriction pour se former en tant qu'amateur ou pilote privé. Donc, en gros, des petites questions. Merci de poser des questions, c'est très facile d'y répondre. Alors que de devoir inventer quelque chose de ma tête, eh bien, je n'en ai absolument pas la force. Je vais aller sur YouTube, je vais voir ce qui se passe avec les questions. C'est ce que je lisais sur V Contact. Alors les gars, si vous regardez YouTube, il vaut mieux passer sur V Contact et poser vos questions là-bas. C'est plus facile pour moi de le faire. D'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante et détaillée sur YouTube qui montre en détail comment la NASA est en train d'assembler actuellement une navette spatiale moderne, similaire à notre ancienne soviétique Laptia. C'est intéressant. Les gars ont gâché cette histoire chez NASA, tandis qu'ils la développent à fond chez eux. Eh bien d'abord. Oui, sur YouTube tout de suite. Pavel Igorevitch-Filipov, notez que pour la Sibérie, à 19h à Moscou, il est déjà minuit, revenez à l'heure d'origine, à 17h, d'accord. Et il est bien sûr difficile, certainement, le vendredi soir, n'est-ce pas Je veux investir. Merci beaucoup. Investissez. Connectez-vous à votre compte personnel. Qui est Batia Batia est un homme soviétique. Eh bien, un homme russe. Bien que le projet soit international, nous avons même des enthousiastes. C'est un peu comme ça que les dirigeables. Évidemment, quelqu'un a initié cela. Dans ce cas, c'est Solar Group qui a pris l'initiative. Mais nous avons rassemblé tous les ingénieurs, et ce sont tous des talents, tous des génies. Chacun est un maître dans son domaine. Aujourd'hui, c'est amusant, lors du dernier webinaire, nous avons regardé, j'ai dit quelque chose comme quoi il y avait près de cinq histoires. Je sais que des histoires où l'on a rassemblé précisément du crowdfunding sur un dirigeable, et donc, en lisant ce livre sur les anciens dirigeables militaires, il s'appelle en gros dirigeable militaire. Mais il parle de l'histoire... Un français, je ne me souviens pas de son nom. C'était aussi dans les années 1800. Il a également collecté des dons pour construire son premier dirigeable. C'est quelque chose comme ça. Quelqu'un a initié cela. Et tout le monde aime. Tout le monde veut. Pour une raison quelconque, cela fait plus de 100 ans que de tels sentiments entourent les dirigeables. Bonsoir. On a promis aux Arabes qu'ils seraient les premiers. Non, les Arabes sont prêts à payer beaucoup pour être les premiers. Mais pour l'instant, nous n'avons promis rien à personne. Alors, y a-t-il des projets prévus d'ici la fin de la nouvelle année Pourquoi lancer des petits projets stratosphériques Dans quel but Pour prouver quelque chose à quelqu'un On pourrait se concentrer sur les appareils selon le plan. Les gars, en gros, l'équipe d'ingénieurs principaux sera en fait exclusivement concentrée sur les appareils selon le plan... Et selon ce même plan, vers la fin de ce plan, des dirigeables stratosphériques, réaliser de petites tâches avec des sous-traitants en allouant un minimum de spécialistes de notre équipe et probablement même pas du tout. Ils nous diront voici votre cahier des charges pour l'appareil ou plutôt, ils l'ont déjà dit. En gros, apprenez, contrôlez. Nous avons besoin de ceci, de cela, de cela encore et de cela. Communication, matériaux, soudure. En gros, allez, étudiez. Faites, voici votre cahier des charges donc ce n'est pas pour prouver, tout va dans cette direction. C'est juste que c'est une perspective tellement lointaine que nous pouvons commencer nous-mêmes avec de petits appareils, et c'est complètement bon marché, rapide, et surtout, tout va dans la même direction. Pas dans une seule direction, mais vers un grand objectif commun. Par la suite, vous examinerez la construction avec des moteurs mobiles et orientables, afin de pouvoir optimiser les leviers, agir et remplacer un moteur défectueux en cours de route. Nous examinons déjà plusieurs concepts sur la façon dont cela pourrait être réalisé, déjà en cours. Et encore une fois, tout cela concerne des apparences extérieures prometteuses qui semblent attrayantes et captivantes à première vue, qu'il vaut mieux ne pas révéler pour éviter des malentendus ou des attentes irréalistes. Cependant, les moteurs mobiles le long du corps du dirigeable sont, bien sûr, possibles. Nous les examinons attentivement pour comprendre leur potentiel. Ce n'est pas sûr que nous l'utiliserons naturellement, surtout sur les premiers dirigeables. C'est certain que la conception à sa place et après des calculs, des expériences. Au début, moins nous mettons d'expérimentation, et eh bien d'éléments expérimentaux dans l'appareil, plus il y a de chances que tout se passe bien avec lui. C'est un et plus une nouvelle solution apparaît dans l'aviation, plus il est difficile en général de la faire décoller, d'obtenir un certificat pour celle-ci. Et ainsi de suite. Déjà, même dans le premier appareil, certaines solutions seront certifiées. C'est-à-dire que tu peux prendre, enfin, je vais exagérer au maximum. Tu peux prendre un boulon aéronautique. Et quand l'appareil sera examiné, on dira que c'est un boulon aéronautique. Ils disent D'accord, mais peux-tu fabriquer un boulon identique, mais dans un autre matériau par exemple Et on me demandera Est-ce qu'il est vraiment identique à l'original Ils diront Non. Va certifier ce boulon. Allez, c'est parti. Méthode d'essai. Et c'est parti. Et voilà, c'est comme ça que je parle du boulon. Dans le premier petit appareil, il y aura déjà des systèmes qu'il faudra certifier soi-même. Eh bien, pour qu'ils puissent y laisser leur empreinte dans l'histoire de l'aviation. Mais plus il y a de tels systèmes, plus c'est compliqué, coûteux et éloigné. C'est-à-dire qu'un moteur qui se déplace, c'est bien sûr génial, surtout si la gondole se déplace aussi. Dans ma tête, je peux vraiment la déplacer vers le bas. Soulever l'appareil comme ça, l'amener ici, le diriger. Mais, ensuite Il considérait des carrières abandonnées comme des cales, celles qui descendent en forme de cône. Les murs de la maison sont déjà en place, prêts pour la prochaine étape. Il ne reste plus qu'à installer le toit, une tâche essentielle pour achever la structure. Cependant, nous n'avons pas encore planifié cette phase importante. Mettre le toit, il se lève comme ça en fait. C'est une idée intéressante en fait. A-t-on envisagé les stratosphériques comme plateforme de lancement pour des fusées La portance d'un stratosphérique permettra-t-elle d'y installer une plateforme pour le lancement d'une plateforme d'accélération avec des satellites Sans résistance. Une plateforme stratosphérique pour le lancement de fusées est en réalité, en fait, le rêve de beaucoup, tant en Russie qu'à l'étranger. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat, vous rigolez, quelle taille doit avoir un dirigeable pour soulever une si énorme fusée il ne s'agit pas de ces énormes fusées, mais de petites fusées à propergol solide. Avec des CubeSats, par exemple, avec des satellites de la taille d'un grille-pain, de tels systèmes sont envisagés et considérés comme économiquement viables et leur pertinence en découle. La réalisation technique est encore certainement absente, mais dans l'ensemble, l'histoire est très prometteuse et Beaucoup en ont besoin. Eh bien, d'un point de vue commercial, en général, et d'un point de vue technique, tout le monde veut, tout le monde voit l'intérêt qui sera le premier à le faire, peu importe qui le fera en premier, c'est la même chose. Les Américains ont une sorte de fusée, mais ils ne nous la donneront jamais de toute notre vie. Nous devons de toute façon construire la nôtre, même si quelqu'un construit une telle chose, ou même si nous la construisons. De toute façon, la politique entre en jeu, on donne à celui-ci, on ne donne pas à celui-là, donc s'il y a deux, trois ou quatre entreprises, elles s'occuperont de cela. Eh bien, celui qui est le premier s'amuse évidemment plus, mais en général, il y a certainement de la place pour tout le monde sur le marché. Quant à la fronde, je ne sais pas... Encore une fois, il faut tout calculer. Il faut installer la fronde. Il faut d'abord faire tourner le premier vaisseau spatial et le lancer. Il me semble que là, si une telle masse s'échappe du dirigeable, alors il... Quelque chose va lui arriver à ce moment-là. Plus précisément, ce n'est pas la masse. Mais la masse a une telle vitesse. Est-il possible de créer un dirigeable avec une vitesse supérieure à 300-354 km/h C'est possible. Un dirigeable de haute altitude et de vitesse, d'un design spécial. Il peut transporter beaucoup de personnes et de marchandises. C'est juste qu'il y a d'autres altitudes et un autre aspect. Et s'il y a aussi des courants spéciaux, ou se placer dans le courant pour qu'il soit favorable, et qu'il te pousse, il ira encore plus vite jusqu'à 500. Voici une question sur la production du camion de 10 tonnes. Pour l'instant, tout est en place, au moins 12 unités par an, et nous verrons par la suite. Il y a une idée de construire un hangar vertical avec un appareil de lancement vertical. Oui, l'idée d'un dirigeable vertical semble naturellement s'imposer à beaucoup de gens, en effet. En fait, cela s'applique aussi au dirigeable. Si tout n'était pas correctement équilibré ici, alors ce ballon voudrait se retourner comme ça. Ou il peut se retourner de différentes manières. C'est la même histoire qu'avec une soucoupe volante. Sauf qu'ici, il est plus facile de l'équilibrer. Il ne faut pas trop abaisser la charge, surtout si elle est en forme de disque, car dans ce cas, le dirigeable essaie de se retourner ainsi. On se demande alors pourquoi ne pas le construire de cette manière, en suspendant la gondole ici, et, tout d'abord, il prend effectivement moins de place, il se tient verticalement. Deuxièmement, il a décollé verticalement, il est sorti selon cette trajectoire. Ensuite, L'histoire s'envolerait, elle pourrait flotter l'aérodynamique, ralentir, descendre. Mais, encore une fois, ce sont toutes des choses expérimentales. Dans le cadre du laboratoire, tout sera d'abord modélisé sur des ordinateurs, puis macté dans le laboratoire, et certaines choses seront testées. Mais tout cela n'est que des jouets par rapport aux appareils qui seront construits en premier. Mais si jamais un jouet s'avère certainement très prometteur selon les calculs, il est naturel que nous envisagions sa construction. Tout comme dans la construction de hangars verticaux, il y a quelque part près de Togliatti un atelier vertical qui est relativement élevé. On dit alors faisons-y un dirigeable vertical. D'abord un moteur magnétique. Puis seulement des disques, des moteurs magnétiques, voilà ce qu'il faut. Pour que la soucoupe volante soit en fait complètement fonctionnelle. Où est-il exactement prévu la construction du premier dirigeable Précisément à Moscou et dans la région de Moscou. La première étape commencera lorsque vous aurez rassemblé 2 millions de dollars. Mardi, avec Pavel. Nous avons discuté qu'il n'est pas utile de s'attacher à un montant précis, probablement moins de 2 millions de dollars, ou à une date spécifique, car cela reste en fait une étape zéro. J'ai formulé cela mardi lors du webinaire, et il sera maintenant difficile de le répéter. Il y a certains risques, à ce stade initial, notamment l'absence de campagne, les gens ne sont pas engagés, nous n'avons pas de présentation, rien du tout. Mais bon. La présentation, c'est une chose. Il y a tout de même les premières étapes, initiales, jusqu'au conseil scientifique et technique qui aura lieu lundi, où nous allons approuver le premier design de l'appareil. Et là, il ne s'agit pas seulement du design, mais aussi des configurations, des moteurs, une multitude de détails, presque tout. En réduisant les risques, nous avançons vers le changement. Quelque chose qui peut être réalisé, ou comment avec quelle force quelles ressources, combien de temps cela prendra et évaluons le coût etc etc en gros nous réduisons ces risques précisément dans la création nous nous rapprochons du changement d'étape En ce qui concerne l'argent, il vaut mieux rencontrer Pavel Philippov lors du webinaire et lui demander à nouveau si le département financier a des prévisions sur le montant qui sera collecté d'ici ce moment-là Les risques seront éliminés. En gros, il y aura des documents, le schéma juridique sera correct et complet. D'ailleurs, tout avance également très bien concernant le schéma juridique. Il ne reste presque plus rien. Dans une entreprise, rassembler dix ingénieurs, et, après trois mois, ils ont produit un prototype de moteur d'hélicoptère. Un an plus tard, il est entré en production. Il est actuellement le plus répandu au monde dans sa catégorie. C'est merveilleux. Voici notre Rousselan. Responsable de la production. J'ai fait la même chose, mais sans aucun financement. Avec mes propres moyens, littéralement. Ils ont rassemblé. Enfin, ils se sont réunis. Eh bien, il a longtemps rassemblé. Beaucoup, en gros, il s'occupait de la production, mais il a toujours voulu s'occuper de l'aviation. Et donc, chaque fois qu'il arrivait à... J'avais du temps libre, je concevais un avion, un hélicoptère ou quelque chose. C'était il y a longtemps. Et j'en suis arrivé au point où concevoir le fuselage, les ailes, la queue, etc. C'est très facile. Mais le moteur, eux, ne vendent pas le moteur. Il se casse rapidement. Il y a des inconvénients. Là, à ce sujet. Le prix est exorbitant. La question du moteur s'est posée et il a commencé à s'occuper des moteurs. Eh bien, acheter des moteurs d'aviation sur le marché. Il suffit de les copier dans sa propre production et j'ai appris à fabriquer des moteurs. Et voilà le moteur. Eh bien, la plus grande partie probablement a été produite par Ruslan. Il c'est un rotor il est exposé au stand de l'Institut Central de l'Aéronautique de Baranov. Il tourne. Et non le reste du moteur, bien sûr. Eh bien, comme un super 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 sous-traitant, après tout, cette commande lui est finalement parvenue. Il l'a faite lui-même. Le reste du moteur. Eh bien, une partie du travail a été faite là-bas. La partie restante du moteur a été conçue et finalisée par nous. Puis il a été modernisé. En gros, ils ont assemblé ce moteur. Comme les gars sont en fait des hélicoptéristes, ils ont en gros monté un hélicoptère à deux places dessus, et... Pour combien En trois mois, nous avons simplement fait des balades avec, jusqu'à ce qu'il fasse trop froid. Ensuite, nous avons assemblé le deuxième, et maintenant, nous en sommes à la troisième itération. En gros, nous avons un talent similaire, et il a dit ⁇ D'accord, travaillons sur les dirigeables, j'aime beaucoup ça ⁇ Dans le groupe de spécialistes, il y a beaucoup de choses, je raconterai plus tard la structure. Pour l'instant, nous ne sommes pas un bureau d'études. Nous formons plutôt une sorte de gestion de projet et il y a un domaine et c'est le domaine des installations de puissance que Ruslan dirige. Et il y a aussi une autre direction liée à l'infrastructure proche de la terre. C'est aussi lui. Donc je peux l'envoyer c'est nécessaire, Ruslan, si tu regardes le webinaire, envoie la vidéo de comment tes gars ont volé sur le premier hélicoptère, le deuxième, et quel est le troisième qu'ils construisent. Et parle-moi des délais plus précisément, il y a aussi quelque chose là-bas en six mois, et il n'y en a pas dix, mais cinq. Nous essayons de lancer le VK600 avec le KB et d'autres choses depuis environ dix ans. Mais l'OMS n'est pas là. VK600, c'est probablement un moteur. Je n'ai pas d'informations liées à cela en tête. Il se passe de tout. L'OMS est présente un peu partout. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Parfois, il y a des lacunes organisationnelles, parfois administratives, parfois scientifiques et techniques, et parfois la machine est tellement inerte qu'il est plus simple de se regrouper avec des gars dans un garage et de lancer un appareil quelconque, plutôt que de le confier aux instituts et bureaux d'études, pour qu'ils s'en occupent. Si la gondole est réalisée à l'intérieur d'un corps rigide, l'aérodynamique en bénéficiera. En jouant avec les entrées de ballast, un tel appareil peut être lancé verticalement, sans rien de mobile. Tout est correct. C'est possible, c'est nécessaire, et il n'est pas nécessaire d'avoir quoi que ce soit de mobile. Mais quand même, entrer comme dans une fusée, puis rouler, je me dis que dans de tels cas, au moins que la capsule intérieure soit sur des gyroscopes ou simplement en gravité. Donc, je retourne sur le contact. Donc, je ne vois pas de commentaires ici. Dans l'ensemble, les questions étaient intéressantes. C'était agréable de parler aujourd'hui. On m'a dit pour chaque truc sympa, puis ça arrive, ils disent, qu'est-ce que tu fais Même pourquoi Ça arrive. Donc, désolé, les frères. C'était sur quelle chaîne que nous regardions, état de la nouvelle génération. Je vais aussi jeter un œil sur la chaîne solar. Mais les questions, d'ailleurs, étaient dupliquées ici et là, donc à peu près, je pense. Nous discuter avec tout le monde. Avec les dirigeables modulaires, oui. C'est très intéressant. C'est à propos de la question 2 comme ça, 2 comme ça, 3 comme ça. Probablement plus simple en train. Et puisque c'est en train, il vaut mieux les laisser voler en caravane. J'ai vraiment envie de tester et de souffler beaucoup de modèles moi-même. Parce que ce sont des constructions modulaires. En ce moment, il y a une discussion dans le chat au sujet des villes volantes. Il est clair que cela... Peut-être un avenir proche, bien sûr. Mais c'est tout de même un avenir. Et là, de toute façon... Il faudra des constructions modulaires, rapidement remplaçables, afin que tout soit interchangeable. Oui, il faut calculer la forme, mais l'avenir leur appartient certainement. Mais je pense que nous trouverons la forme idéale. Peut-être que ce sera un appareil à forme modifiable, pourquoi pas Nous avons d'ailleurs eu de telles conversations. Il y a trois ans, nous avons rencontré un inventeur là-bas. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ryan Muller fait beaucoup de choses intéressantes. Mais là-bas, tout est à la limite d'une telle fantaisie, que c'est extrêmement risqué. Et à ce moment-là, il fabriquait des matériaux composites qui, là-bas, eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, se tordent peuvent être comprimés, se décompressent, mais pour lui, en gros, il perfectionnait. Pour pouvoir le faire plusieurs fois, et ainsi de suite. C'est exactement ce qu'il faisait pour la forme modifiable de son dirigeable personnel. Cette personne a le rêve de construire son propre appareil, afin qu'il se comprime à grande vitesse, se transforme en balle, se décompresse sur place, et reste stationnaire. L'idée est géniale, mais très risquée. Cela arrivera un jour. Et voilà, on peut imaginer que de telles constructions modulaires finiront par en découler. Est-il possible de créer une plateforme d'observation en haut du dirigeable Oui, c'est certainement possible. Et il est très probable qu'ils y seront. Sur les dirigeables rigides, c'est certain, mais à partir d'une certaine dimension. Pour un petit dirigeable, celui que nous allons construire, on pourra simplement utiliser une échelle de corde qui sera ici sur le côté de la gondole. Monter, rester debout, c'est même possible. On peut certainement marcher dessus. Il résonne encore comme du métal, car il est sous pression. Sur les grands, ce sont de véritables plateformes d'observation, oui, bien sûr. Pourquoi Kirill n'aime-t-il pas l'idée d'installer un sauna dans le dirigeable Ce serait génial de plonger directement dans l'eau depuis le dirigeable après le sauna. Ce serait super. Eh bien, chacun a sa propre vision. À un âge où, après avoir rêvé pendant tant d'années de sa propre création, quelqu'un lui dit ⁇ Que la gondole a un peu changé d'apparence ?⁇ Il a répondu ⁇ Qu'est-ce que tu racontes C'est-à-dire que, en fait, tout s'est vraiment tellement ancré dans sa tête. Le fait qu'il appelle toutes nos propositions et simplement des idées des saunas volants, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas spécifiquement les saunas volants, mais pour une raison qu'il a décidé ainsi. Le fait que des saunas volants soient une absurdité, en réalité, c'est peu probable. C'est une absurdité. Certainement. Et les grands et impressionnants dirigeables touristiques majestueux là-bas sont en fait pour le Grand Nord. En général, il devrait y avoir un sauna. Et il y a aussi un sauna. Il les a simplement appelés des Manspilins volants, qui avaient un tunnel d'observation centrale au milieu de la coque. On peut y placer la principale électroturbine capable d'aspirer l'air du corps, même en cas de remplissage à l'hydrogène. Les fuites seront expulsées et ne s'accumuleront pas en volume critique. Je viens de me souvenir, nous avons récemment discuté d'une conception avec des trous traversants, comme ceux-ci verticaux à l'intérieur du dirigeable, où sont placées les hélices. C'est-à-dire qu'il crée ainsi de la traction. L'ouverture centrale est également là avec des vis, afin qu'il puisse aspirer l'air d'ici, réduisant la résistance frontale et autres. De telles solutions vraiment super révolutionnaires, c'est pour le prochain appareil. Enfin, ce n'est pas tout à la fois, mais étape par étape, je pense que nous avons 200 tonnes. Ce sera déjà une sorte de merveille du monde. Peut-être même 100 tonnes bien que 40 suffisent. En gros, nous verrons. En ce qui concerne le fait que l'hélium sera évacué, il ne faut pas accumuler un volume critique. Oh, l'hydrogène, il ne faut probablement pas accumuler un volume critique. Il faut voir. Tout sera à l'hélium. Le passage à l'hydrogène est loin. Fabriquer un grand appareil pour une exploitation proche de la Terre avec de l'hydrogène, c'est trop risqué. Alors, les amis, je vais probablement conclure, de nouvelles questions ne fussent pas... Tout a disparu sur V Contact, ce qui signifie que toutes les données, photos et messages ont été effacées de la plateforme. Je ne comprends pas comment cela fonctionne. Tu regardes la diffusion, ceci. Voilà, tu regardes, tu vois qu'ils apparaissent, les commentaires. Tu fermes la diffusion, tu rouvres, il n'y a pas de commentaires. En ce qui concerne le dirigeable publicitaire, on pourrait par exemple créer une réplique du célèbre dirigeable de jeu de Kirov. En réalité, je voudrais expérimenter les formes extérieures du dirigeable de manière très sérieuse en étant totalement libre de les rendre uniformes, blanches ou grises. Bien sûr, il y a l'aérodynamique. Mais dans l'ensemble, faire différents dirigeables, il y avait déjà des idées et des pensées à ce sujet. Par exemple, si c'est pour différentes régions faire des dirigeables complètement différents pour l'Inde un pour la Russie un autre même à l'intérieur de la Russie un pour la partie européenne un pour l'Altaï un autre pour la Yakoutie et les rendre tellement c'est-à-dire nationaux pour qu'ils soient complètement différents en général et on pourrait aussi avoir un dirigeable personnalisé Kirov tout cela semblant correspondre au scénario du jeu je n'ai pas joué mais En ce moment même, l'état de la planète est à peu près exactement le même que là-bas. Donc c'est vraiment plutôt très amusant en gros. Bon, écoutez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. En gros, je pense sincèrement qu'il est temps de dire au revoir. Une heure et demie, les questions sont répondues. Voilà, lundi nous avons le conseil scientifique et technique. Si vous le souhaitez... J'essaierai de faire un direct de là-bas, sur Telegram par exemple, ou ailleurs. Eh bien, les petits cercles vont certainement enregistrer. Qui est assis Que faisons-nous Nous allons tourner une grande vidéo à ce sujet. Mardi, il y a un webinaire classique d'atterrissage, basique. Il faut retravailler la présentation. En fait, il est déjà difficile de parler de cela. Beaucoup de choses ont changé. Mais peut-être que juste après lundi, nous pourrons retravailler cela. Il y aura plein de détails concrets. À bientôt sur Telegram. Oui, d'ailleurs, laissez-moi noter cela. Concernant les hélicoptères ruslants, il faut envoyer la vidéo. Tout le monde, les gars, à bientôt. À bientôt sur Telegram. Écrivez, nous y discuterons. <laughs>